So, tracker sous CoinMarketCap. Lui-même, c'est lui-même qui est plus facile, c'est lui-même qui est gratis. Pas oublier, moi, dis-nous que l'autre, ça, même yo mandé nous pour nous payer un peu l'argent. Moi, même pas oublier, m'étais sous Delta. J'étais fait prêt presque 70 à $80 par année. Mais il n'y a pas de fonds bon travail du tout. L'homme aussi capable de suivre CoinMarket portfolio, c'est grâce à CoinMarketCap. Parce que Delta, t'es mélangé données en même. Parce que pas oublier que moi utilisé plusieurs exchanges. L'homme utilisé plusieurs exchanges. Il y a même faut qu'il appelle constamment. Chaque jour, il faut qu'il appelle pour être capable d'update quantité de transactions mieux. Conseil de transaction me fait 6 mois après, je ne vais pas paraître sur Delta. Je ne vais pas utiliser Delta du tout encore moi-même. Donc, moi, fais tracker moi gratis sur CoinMarketCap. Ok? Je vais une vidéo que je poste déjà sur comment pour tracker Coin gratis sur CoinMarketCap. Moi, invite à regarder la vidéo en détail parce que là, ben, en pile bon information que vous supposez gagner pour capable track Coin. Pas oublier, intérêt pour capable de chaque coin nous yo, c'est pour qu'on ait kilo ou en perte kilo ou en bénéfice. Ok? So, nous pouvons regarder, nous cliquer en l'air. Ça, c'est pour les gens qui ne peuvent pas regarder vidéo maintenant. So, pourquoi regarder vidéo maintenant? Ou après en l'air là, bon, maintenant, en l'air là, écrit login, nous cliquons sur login. Ensuite, nous pouvons le bon ça, ou après entrer email ou adresse, mot de passe. Ensuite, la poêle ouvre une page pour cliquer sur Add New Portfolio. Et puis, automatiquement, on crée un nouveau portfolio. Par exemple, moi, j'ai créé un nouveau portfolio là. Ok, il dit que j'ai 389 $, moi, à 70% down. J'ai une perte de 903 $, mais je fais profit là de 150,33%. Qui donc me font bénéfice de 10 126 $ ensemble avec Cadena. So, puis devant, il y a option côté que vous êtes capable de sélectionner coin que vous n'avez pas ajouté coin aussitôt que vous ajoutez coin ou bien option est-ce que transaction a ajouté en c'est acheter ou acheter. Lorsque vous avez acheté, vous cliquez sur buy. Lorsque vous vendez CoinOyo ou cliquez sur vendre. Ça veut dire, l'on a acheté ou dit CoinMarketCap, mais combien on a acheté, à qui prix on a acheté, l'on vend ni tout ou dit, mais à qui prix on a acheté. Pour qui ça? Parce que je vais montrer au pied devant, je vais faire statistique pour l'abdou, mais combien pourcentage que tu fais sur coin ça. So, pas oublier, dans Add Transaction, ou bien Buy, ou bien Sell, ou bien Transférer tout, ou bien doit transférer l'argent, je suis capable de dire, ok, ma fonds spécial depuis que j'ai 1000 subscribers, ma buy 200 $ en BNB, ma buy 300 cadenas, vous comprenez? So, je suis capable de dire que le moment où je vais voir comme ça, YouTube qui a recevoir l'argent, ça y est, je ne vais ni vendre, je ne vais ni acheter tout, je vais juste transférer. Coin ça voye ba yon moun ça y est les transferts ou al nan maison transfert ou fait transfert de nous ou pral vin wè à l'avenir ou pa pral besoin al nan maison transfert pour faire transfert ou jusqu'à rete sous téléphone ou ba ou et pour faire transfert et puis moun nan automatiquement sur email ou bien sous téléphone ou bien sous compte li jwenn l'argent pa gen question de moun pral fouye moun al casser maison transfert encore bagay ça li pral fini non avenir qui très proche. Pas oublier lorsque vous finissez de rentrer mes quantités ou vendre mes quantités que vous achetez, vous allez là dans la statistique, vous allez voir mes profits que vous faites. Vous allez mes meilleures performances et worst performances. Ça veut dire performance qui est mal là. BNB, vous achetez BNB à un prix, il descend à 65%. Ça veut dire le marché a baissé tout. Là, vous mais combien cob que soi-disant que vous perdu. Ça va veut dire vous perdu cob blanc. L'eau perdu cob blanc, c'est l'eau vendre pendant marché en baissier. Le ça, vous perdu l'argent là. Mais vous toujours qu'un bécoin nous là dans wallet ou sauvegarder un côté qui vraiment sûr ou pourquoi déclarer perte. So, c'est façon ça mon capable expliquer nous plus rapide plus facile comment nous capable suivre déroulement crypto monnaie nous parce que c'est vraiment important ou bien doit plaider acheter crypto acheter crypto acheter crypto pas jamais faire comme
Parce que ou pas qu'on est à qui pour t'acheter, mais à qui pour pral vendre. C'est tant qu'on machine, li l'a acheté, l'acheter à un prix, mais li vend à prix moun yo ba li yo. Ça veut dire par contre qui le fait bénéfice, c'est pas qu'on qui le pas fait bénéfice. So,